Ça devrait être bon. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Madness Productions en compagnie de votre Dark Hilarion qui est un peu reposé. Je dis bien un peu. Mais il a déjà pas mal fait des choses cet après-midi. Il a avancé des trucs, il a fait des choses. Cependant, le Dark Hilarion, je sais pas pourquoi j'utilise la troisième personne au singulier, ça n'a aucun sens, mais je viens vous annoncer une terrible nouvelle. Ceci est le dernier live avant les fêtes de Noël. Ouais. C'est pas le dernier live de l'année, non, j'insiste là-dessus. Mais là, ceci, ce soir, est actuellement le dernier live que nous allons faire avant les fêtes de Noël. C'est-à-dire dans à peu près 2 jours. Voilà. Il n'y aura pas de live demain, il n'y aura pas de live vendredi, il n'y aura pas de live samedi, et il n'y aura pas de live dimanche. Malheureusement. C'est l'un des problèmes dû au fait qui font que y a pas mal de choses qui s'organisent, se changent, s'interchangent, s'entrecroisent. Cependant, pour ne pas vous laisser insatisfait, nous allons faire un petit live de 2 heures pour nous faire plaisir. Et avant toute chose, nous allons faire surtout des missions secondaires parce que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cet après-midi. Pardon, j'ai eu un petit moment où je me suis perdu dans ma gorge. Voilà. Laissez-moi basculer. Voilà. Basculer sur... Non, pas celui-ci. Celui-là. Voilà. Excusez-moi. Nous allons voir beaucoup de choses. Je me suis... assez bien démerdé cet après-midi. Je suis assez content de ce que j'ai accompli. Attendez, j'ai des choses à préparer aussi en annexe. Parce que je viens de me rendre compte déjà que j'avais la voix. Voilà. Ah, c'est ça qu'il faut que je mette de ce côté-là, que je prenne ce truc-là, que je le réduise de quelques centimètres. Et ça devrait être bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que le jeu se lance. On est bon. Assassin's Creed Unity. 40%. Pourquoi les 40%, me direz-vous? Mais c'est très simple, mesdames et messieurs. C'est très simple. Je me suis pris 3 heures, là, cet après-midi, pour on attend. Le suspense est insoutenable. On est bientôt. Quand ils auront fini le chargement. Voilà. Regardez-moi cette zone nord. Clean. Elle est clean. Incroyablement nettoyée de tous ces coffres. J'ai vidé le nord. Le nord. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Enfin, si, il reste 2-3 coffres ici, dont un, bizarrement, je n'arrive absolument pas à savoir comment est-ce que je fais pour l'obtenir. Genre, vraiment, j'ai faut retourner la map en long, en large, en travers. Je ne sais pas où est-ce que je vais pour le trouver, ce coffre. C'est incompréhensible. Il me reste donc quelques parcelles de coffrounets que vous voyez juste là, voilà, à récupérer, mais j'aurais fini le nord! Et en plus, je me suis permis même d'aller récupérer des cocardes. J'ai récupéré 2-3 cocardes sur le trajet. Bon, je n'ai pas tout récupéré, toutes les cocardes, bien évidemment. Mais j'ai déjà fait tout ça. Je me suis permis d'avancer un peu plus dans tout ce bazar. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés, je vous le rappelle, à la fin de la séquence 9, que nous commençons la séquence 10, c'est-à-dire les dernières séquences du jeu. Je vais réserver cela pour la fin de l'année. Oui, ce que nous allons faire, dans un premier temps, ce soir, si nous allons essayer, je dis bien essayer, de résoudre quelques énigmes de Nostradamus. Je ne garantis pas la réussite de cette opération. Il est clair que, comme vous avez pu le constater, mon niveau intellectuel est proche de celui d'une marguerite. C'est certes très beau, mais c'est pas très intelligent. Voilà. Donc, voilà, on peut trouver une intelligence belle, hein. Il y a quelque chose de beau des fois dans l'intelligence de certaines personnes.
Mais une marguerite reste une putain de fleur, ça n'a pas une grande intelligence. Ça ne sert qu'à pousser. Prenez-le comme vous le voulez. Voilà. Alors, je vais me permettre quand même d'aller récupérer ce coffre qui me tend les bras à quelques mètres de chez moi. Parce que c'est un petit coffre, hein. Et on va pas se mentir, un petit coffre, hein, ça ne se refuse pas. Sauf si, bien évidemment, encore une fois, ce coffre est dans un néant distordu, impossible à essayer d'imaginer, de deviner son existence et sa localisation. Non, ça va. Il y a même une cocarde que j'avais déjà dû récupérer pour une raison que j'ignore. Une raison qui me... Inénarrable. Voilà, c'est ça. Quelque chose que l'on ne peut narrer. Alors la question est... Pas par là. Certainement là. C'est toujours pas par là. Bon Dieu, des plans de égouts parisiens. Qu'est-ce que ça nous aurait sauvé les biches? Nom de Gu. Porc et pique en boucher. On reprend les bonnes vieilles expressions du capitaine de la capitaine Adocri. Putain, il hurle tellement fort en haut. C'est incroyable. Alors, où est ce coffre? Je l'ai vu qu'il est là, ce coffre. Mais ça veut dire quoi, il est là? Ça veut dire quelque chose par là-bas. Potentiellement. Voyons ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, je t'ai pas demandé. Arnaud, tu n'es pas Altaïr. Arnaud, s'il te plaît. Y a-t-il une potentialité potentielle qu'il y ait une ouverture dans les souterrains par ici qui me permettrait de me balader en dessous des estrades? Ah ah! J'entrevois une proposition. Non, je m'en fous. Sincèrement, le sacrifice de Danton, ouais, très bien. Il s'est sacrifié, il est mort pour la France. Ave à lui. Et non. J'ai dû louper une intersection. Non plus. Hein? Non, toujours pas. Mais bon sang. Il va bien y avoir un passage, une ouverture, quelque chose. N'importe quoi. Alors, le peuple, c'est bien beau de le dire, hein, mais faut peut-être aussi l'écrire. Non. Mais bon sang. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, j'ai déjà collecté cet objet, mais... Comment cela se fait-ce? Il y a une explication logique. Non? Voyons cela. M'amuser, moi? C'est un travail de chercher ces coffres à plein temps. Mais au diable! Oh, la guillotine! Oh merde! Pardon! Je ne voulais pas déroger à cet événement sacré. Je n'étais... Oh! Oula! Voilà. Oula. Mec se balade avec la tête d'un décapité sur sa pique. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée.
Surtout avec toutes les maladies qui se travaillaient les gens de l'époque. C'est pas incroyable. Encore un foutu coffre impossible à deviner où est-ce qu'il est planqué son entrée. Est-ce que c'est en dessous? Non. Absolument rien du tout. Quelle est donc cette étrange sorcellerie dans laquelle je me suis encore une fois retrouvé prostré. Je ne comprends absolument pas comment c'est possible. Eh ben punaise. Messieurs, regardez-moi cet homme décapité, un véritable spectacle comme on n'en fait plus. Un plaisir de narration. L'inspiration à... Possible. Je suis perplexe. Perplexifié et perplexé. Je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible. Est-ce que ce passage secret serait la clé? Est-ce que c'est ça? Ah, il y a une possibilité. Il y a une opportunité là qui s'offre à nous. Une opportunité, mesdames et messieurs. Nous avons potentiellement un trou. Un trou avec un passage sur la gauche. Un passage sur la gauche. Un passage. Non, je l'ai loupé comme ça. Je l'ai loupé comme ça. Je l'ai loupé comme ça. Punaise des bois. Hi! Bien le bonjour, DanMag1992. Bienvenue, bien le bonsoir. Je dis bonjour, bonsoir, oui. Bienvenue sur cette chaîne où nous expérimentons actuellement la recherche désespérée de coffres dans cet enfer parisien des années 1793. Et ce soir, bah, tu arrives à un petit peu à un moment d'accalmie. Nous n'allons pas lancer le tumulte proéminent d'une histoire farfadaise et autre, complétée de la révolution qui mène les Templiers et les Assassins. Non, ce soir, nous allons jouer à la devinette avec un homme qui est mort il y a plus de 200 ans. Et ça, c'est un plaisir. Toujours un plaisir. Alors par contre, maintenant, il va falloir que je me repère comment est-ce que je sors d'ici. Ah voilà, merci. On va aller jouer avec Vénus. Planète magnifique du système solaire. Vénus. Mais aussi, magnifique divinité, Vénus. Divinité grecque. Enfin, plutôt romaine. Attendez, Vénus, c'est romain ou c'est grec? Oula, je suis en train de mélanger, là. Après, ils se ressemblent tous au bout d'un moment. Hein. Les Grecs ont piqué sur les Grecs ont offert aux Romains, littéralement, un plateau d'argent de divinité que les Romains se sont empressés de récupérer et de voler allègrement. Ah. La Rome antique. Le plus drôle, c'est qu'en français, cette phrase peut être lue de trois manières différentes. La Rome antique, ou la Rome antique. Réfléchissez à cette phrase. Enfin, c'est ce groupe nominal. Faut se rendre compte que la plupart des conneries que je balance, c'est des réflexions à la con que j'ai eues quand j'étais au lycée ou à l'université. C'est des réflexions que je me suis gardé pour moi et qu'un jour ou à l'autre, j'en sortirai. Je me suis dit, peut-être que ça fera réagir des gens. Si ça vous a fait rire ou si vous avez commencé à vous questionner, pour moi, c'est ma réussite. J'aurais réussi ma vie.
Alors, Vénus, mission level 2. J'ai très peur. Mais on va bien voir. Construite en l'honneur du soleil, une place brillante de noblesse. Trois couleurs illuminent quatre murs, empreints de liberté. In the name of the fuck. Oh, God. Alors, oui, je n'ai pas besoin de... La Madeleine. Le Palais Royal. Ça pourrait être ça. La place Vendôme. Ah, la place Vendôme. Est-ce que la place Vendôme serait ça? Place de la Révolution Concorde Louis XV. Attendez, il disait quoi? Construite en l'honneur du soleil. Ah bah oui, Louis XV. Louis XV. Une place brillante de noblesse. Trois couleurs illuminent quatre murs, empreint de liberté. Non, si, c'est ça, c'est... Alors, par contre... Where the fuck do I have to go? C'est pas un peu, comment dire... extrêmement large comme surface de recherche. Alors c'est certainement. Oui, un dément. Ah, attendez. Non, quand même pas. Ah si. Ah, je suis allé trop loin. Qui veut entrer aux Champs-Élysées, aux fermiers tribus, doit verser pour franchir la porte au couchant, du couchant où le triomphe se tiendra bientôt. Attends, qui veut entrer aux Champs-Élysées, aux fermiers tribus, doit verser pour franchir la porte du couchant où le triomphe se tiendra bientôt. Attends, l'arc de triomphe, il n'a pas déjà été créé? Non. L'arc de triomphe, il n'a pas encore été créé à cette époque. Il est plus récent, non? Si? Je me gourde d'époque. Salut, est-ce que par hasard ta bite a durci? Absolument pas. Je m'excuse, mais je ne sais pas du tout où se trouve durci. Eh bien, le bonsoir à toi, mal 1812. Mais je n'habite pas du tout dans cette charmante bourgade au nom fort singulier. Alors, la question que tout le monde se pose. Il y a une arche quelque part dans ce coin-là? Est-ce que le triomphe? À moins que ce soit la Madeleine? Non, c'est pas la Madeleine. Faites voir les lignes. Qui veut entrer aux Champs-Élysées? Au fermier tribu doit verser pour franchir la porte du couchant où le triomphe se tiendra bientôt. Le triomphe? Parce que l'arc de triomphe, c'est les Champs-Élysées, mais les Champs-Élysées, c'est pas... C'est... Ouais, pourtant, c'est... Ouais, les Champs-Élysées, c'est là, hein. Ouais, c'est ici, les Champs-Élysées, si je me plante pas, hein. Ma réflexion sur l'endroit est un peu ancienne, mais je crois supposer que c'est dans cet endroit-là. On va voir. Est-ce que par un hasard 2... Où le triomphe se tiendra bientôt. L'arc de triomphe.
Approchez la porte du couchant. Le triomphe, ouais, mais c'est la porte de... Ça doit être certainement la porte de l'Arc de Triomphe. Certainement, mais... Un tribut au fermier? Quel fermier? Et quel fermier? Où est-ce qu'il y a des fermiers ici? Tribut au fermier? Je suis perdu. Et d'une force. Ah zut. Le triomphe serait versé. Oui, il y a. La porte du triomphe. N'essaie pas de me tromper, tu as compris? Vous en savez pas. Non, il n'y a pas, hein. Ah, oh, ah bah si. Ah ah. Dernière énigme. Il n'y en avait que trois. Oh bah. Une tour magnifique, son arrière petite fille érigea pour surveiller les sujets et les cieux, soleil et terre dans une cage de fer. Hein? Nani Desca? Une tour magnifique, son arrière petite fille érigea pour surveiller les sujets et les cieux, soleil et terre dans une cage de fer. D'accord. Ce serait pas les palais des Tuileries, la cage de fer? Ce serait quand même pas cette tour là, non? Non. Non, quand même pas. Est-ce qu'une tour? Dans le palais des Tuileries, il est encore régi aujourd'hui, donc ça doit être... Je dois avouer là que je suis un peu perplexe. Et même, encore une fois, toujours un peu perdu. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils veulent encore une fois dire par là? Parce que là, ça c'est le palais des Tuileries. Donc le palais des Tuileries. Le palais des Tuileries, c'est... Oh, il y a un symbole. Est-ce que c'est ça? Ou alors c'est le symbole d'une autre énigme. Ah non. Vous voulez quelque chose, citoyen? Pardon, messieurs, pardon. Tour de fer. Mais... qui observe, érigé par son arrière-petite-fille. Je suis d'une perplexité.
Coucou, ça va? Crémecraft, bien le bonsoir. Eh bien, ça va, ça peut aller. Mais actuellement, je suis face à une incertitude. Je me pose de nombreuses questions. Des interrogations fort étranges. Parce que je suis en face d'une énigme qui me résiste. Je n'apprécie guère ce sentiment de résistance. Moi, je vois cette tour-là, pour le coup, mais... Mais j'ai pas l'impression que ce soit cette tour-là. C'est quoi l'énigme? Alors, très bonne question. No spoil, encore une fois, je le rappelle, l'objectif est que j'essaie de trouver la réponse. Si jamais j'y arrive pas, au bout d'un moment, j'irai regarder les réponses moi-même, mais... Alors, voilà, c'est l'énigme de Vénus. Construite en l'honneur du soleil, une place brillante de noblesse, trois couleurs illuminent quatre murs empreints de liberté. Je pensais à l'origine que c'était... Hop. La place de la libération... Enfin, la place de la Révolution, hein, place de Concorde et de Louis XV. Métavique, c'était celle-là. En réalité, il s'agissait de la... voilà, de la place Vendôme. Là, pour le coup, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, bon, je l'ai trouvé, tant mieux, c'est pas grave. La deuxième énigme, pas trop compliqué non plus là-dessus. À ce niveau-là, je commençais à peu près à cerner le processus. Tac, non, c'est pas la... Voilà, Vénus. Deuxième énigme. Qui veut entrer aux Champs-Élysées, au fermier tribut doit verser pour franchir la porte du couchant où le triomphe se tiendra bientôt? Je pensais à l'arc de triomphe, enfin l'arc de triomphe, sauf que c'était pas du tout le même endroit. Mais encore une fois, c'était à peu près exact dans ma réflexion, puisque c'était l'une des portes parisiennes qui se trouve juste ici, et c'était là la deuxième énigme. C'était là que menait la dernière énigme, et c'est là qu'on a trouvé la dernière énigme. Une tour magnifique, son arrière-petite-fille Erija, pour surveiller les sujets et les cieux, soleil et terre dans une cage de fer. Et là, je suis perdu. Non, parce que là, c'est clairement la tour Eiffel qu'on fait référence. Mais là, on est au moins 200 ou 300 ans plus tôt. Trop tôt. C'est enfin, 200 ans à 200 ans trop tôt, je crois. C'est 1800, là. 1800 et quelques, la tour Eiffel. C'est donc... c'est le 19e siècle, la tour Eiffel. On est encore... on est à la fin du 17e, enfin du 18e, on est pas à la bonne période, là. Il y a encore quelques années avant que ça commence à démarrer. Donc, il y a un problème. Une tour magnifique, son arrière-petite-fille Erija. Et là, je bloque. Je suis en train de regarder cette tour-là, où je suis actuellement... Non, pas encore. Allez, c'est celle-là. Je croyais que j'étais dessus, mais encore. Non, non, non. À première vue, hein, je vois pas. Hein. Oh, finesse, dans passe-bug. Tous mes passe-bug. Y a-t-il un truc pour m'échapper? Oh non, 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 non. Ah! Et non. Et merde. Putain, incroyable à quel point ce truc est dur à esquiver. Ok, bon. Alors, quel autre tour j'ai à ma disposition? J'ai cette tour là-bas, mais... Et bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit cette tour-là dont on parle. Je vois pas d'autre tour, hein. Je vois pas d'autre tour à porter. Hein. La seule tour que je vois encore là-bas, que je vois encore ici, c'est celle là-bas. Hein.
Toujours la troisième énigme, hein, c'est incroyable. Toujours la troisième et dernière énigme, j'ai aucune chance pour la retrouver. On va voir, hein, peut-être que... À tous les coups, j'avais raison et il fallait bien que j'aille regarder cette tour là-bas. Hein. À tous les coups. Hop, on monte. On saute. On glisse. Hop, on sort. Alors, ayant augmenté la portée de ma vision, hop. Et zut. On attend quelques secondes. Quartier de Vendôme. Ça se bastonne en bas. Il y a du public. Allez, encore. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Arnaud. Voilà. J'aurais dû tourner à gauche, ça aurait été plus rapide. Mon coffre est plein. Ah. Mais pourquoi, Arnaud? Pourquoi? Ah bon sang! Cette reconnaissance ciblée! Incroyable ce jeu! Bon. Votre contenu additionnel. Oui, non, c'est pas. Ça ne m'aide pas, ça. Quel tour est-ce qu'ils veulent parler? De quoi est-ce qu'ils parlent? Ce serait quand même pas ça! Le pont de la Concorde, la Révolution? Revoyons l'énigme, encore une fois. Une tour magnifique. Son arrière-petite-fille érigea pour surveiller les sujets et les cieux, soleil et terre dans une cage de fer. J'avais cru au palais du Luxembourg pendant un temps. Enfin, le palais des Tuileries. Mais bizarrement, moi, j'ai rien, en fait. Donc, je suis perplexe. Je suis la perplexité. On va tester une dernière fois, on va tenter une dernière fois de chercher la réponse en allant voir le palais des Tuileries pour voir si j'avais potentiellement raison. Et si jamais je ne m'étais trompé, alors nous avons notre défaite et nous irons regarder les solutions. Parce que définitivement, je suis, comme je l'ai dit au début de ce live, j'ai l'intelligence d'une marguerite. C'est très beau, mais c'est très con. Marguerite, c'est très con. On parle de fleurs. Hein. Des fleurs. Attention. Que toutes les marguerites qui regardent ces vidéos ne se sentent pas offusquées. Mais bon, je suis désolé. Vos parents vous ont donné le nom d'une fleur.
Fallait vous y attendre. Ah, ça va. Il y en a... J'aurais pu ressortir de plus vieilles et obscures références parlant de vaches. Ça aurait pu être encore plus blessant. Alors, est-ce que... Parce que j'ai vu justement qu'il y avait quelque chose, il y avait un symbole dessus. Mais c'est pas le symbole que je recherche. Donc déjà, on sait qu'il y a un symbole. Mais est-ce qu'il y a un autre symbole sur la même, sur le même palais des Tuileries? Genre, est-ce que c'est possible qu'il y ait deux symboles au même endroit? Ce qui en soi ne serait pas déconnant vu qu'on a chopé deux symboles sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc m'est avis que c'est possible. Il faut juste que... Hop. Non plus. Mes ressources s'amenuisent à mesure que je suis en train de chercher la solution. Et vous allez voir encore une fois, comme d'habitude, que je me suis planté sur la troisième. Mais que quand je vais lire les informations sur la troisième et que je vais voir où est-ce qu'elle se situe, je vais hurler en disant « Mais oui, c'est sûr !» C'était bien sûr. Et ça, c'est pour sûr. Reste le dernier toit là-bas. Ah, parce qu'il y a absolument aucun autre symbole. Hein. Le seul symbole que j'avais trouvé, c'était un symbole certainement pour une toute autre énigme. Je l'ai trouvé juste dans les environs. Je crois qu'il était juste là, mais... C'est pour une toute autre énigme, pas celle-ci. Au moins, je saurais où trouver cette énigme. Ah! Ah! Les plus vieux reconnaîtront. Ceux qui regardaient mes premiers lives sur Assassin's Creed 1, c'était les A. Bon! Eh bien, on s'avoue vaincu. Première tentative, c'est à l'échec. Que voulez-vous? La perfection n'existe pas. Errare humanum est. Voyons donc où était donc planqué Vénus. Et s'ils me disent 2000 euros, j'arrête le live. S'ils me disent Vénus 2000 euros, j'arrête le live. Je m'en vais. Alors, Vénus, Vénus, Terra, Vénus, Vénus, Vénus. Alors oui, on a trouvé l'énigme 1, pas très compliqué, à cela. L'énigme 2, elle amène à cela. Nom de Dieu. Ok. Ok. Alors. Une tour magnifique. Son arrière petite fille érigea pour surveiller les sujets et les cieux. Soleil et terre dans une cage de fer. Première chose que tout Parisien pensera, la tour Eiffel. Les personnes qui ont joué à ce jeu mais qui ont vu ça pendant une partie d'une mission principale pendant 5 minutes et qui sont passées à autre chose, l'ont totalement zappé, ont oublié son existence et ne savent même pas qu'elle est, que ça avait un sens quelconque là-dessus. Parce que, historiquement, elle n'existe plus. On le précise.
temps de chargement de l'infini comme d'habitude. On attend. Attention. Attention, ça va aller très vite. Tada! Une cage de fer sur une tour. Magnifique! C'est une colonnade, ta saloperie! C'est pas une tour! Une colonnade! Magnifique! T'appelles ça magnifique, ça? Espèce d'iconoclaste! Rapace, dictalo, technocrate, polygraphe, perroquet, chromagnon, zygoma! Ah, j'en peux plus. Je vais sortir tout mon vocabulaire du catena. Flébotome, ravachol, forban, profiteur, vieille marmotte, scélérat, gros plein de soupe, analphabète, misérable ver de terre, autodidacte, mamelouk! Ça! Oh là 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 là! Et pour conclure, que le diable vous étripatouille, Buggysoft! Je vous jure! C'est quoi cette référence à la con? C'est quoi cette énigme? Ah la vache! Bon, elle est venue, c'est plié, on n'en parle plus! Oh la vache! Et dire qu'on doit en faire plusieurs ce soir! J'ai 2 heures de live, j'ai passé 44 minutes à en faire une. Eh ben punaise, on n'est pas sorti. Ah la vache. Non, parce que justement, comme tu peux le voir, mon cher Crémecraft, j'ai vidé une grosse partie du nord de la capitale. J'ai enfin fait tous les coffres. Dans leur grande majorité. Il m'en reste quelques-uns un petit peu à l'ouest, mais bon, ça voilà, je vais pas aller traquer pendant la session. Donc je me suis dit que comme j'ai prévu de terminer l'histoire principale et le jeu pour la fin d'année. Parce que je vais essayer de faire Dead Kings pendant la semaine qui arrive. Et aussi potentiellement le dernier jour. Voilà, je vais essayer de faire le DLC dès la semaine prochaine. Et qu'aujourd'hui, c'est malheureusement le dernier live de la semaine. Puisque malheureusement, les fêtes m'empêchent de faire un live demain, après-demain, après-après-demain et dimanche. 4 jours d'affilée, je ne vais pas pouvoir faire de live. C'est donc le dernier live. Je fais donc un live de 2 heures pour rattraper le coup. Voilà. Donc on va essayer de faire avancer un petit peu le Spielblick de cette armure qui est bloquée en dessous de notre bibliothèque. Et pour cela, bah, je me suis dit, allez, on va tenter. Que j'étais naïf. Que j'étais naïf. Punaise, Libra, on l'oublie. Alors, dites-moi, Ariès. Oh là là. Ouais, t'es bien content. Hein. J'évalue... Putain, je suis presque à mettre une étoile, là-dessus. Mais non, parce que c'est quand même encore une fois de la réflexion et il faut avoir questionné l'intelligence et la mémoire du joueur. Mais avec ma mémoire en gruyère actuellement, je peux vous garantir que c'est sûr, ça m'a pas aidé. Bon, maintenant c'est vrai qu'en plus pour sortir de ce phare, c'est un enfer. Voilà. Oh mon dieu, quel Camerounais! Oh là là, quelle bande de sinistres farceurs! Oh, Buggysoft, je vous jure! Bon, alors Ariès. Ariès, c'est la représentation des Capricornes, je crois, non? Je crois que c'est Capricorne. Capricorne ou je me plante? Ah yes. Ah, je sais que c'est une bonasse aux cheveux roses qui balance des putains de nuages de coton dans Fairy Tail. Mais sinon, je crois que c'est la représentation du Capricorne, hein, si je ne m'abuse. Et le docteur m'abuse. Je me suis dirigé vers la mission principale. Je suis un papillon. Un papillon, mesdames. Un papillon.
J'ai trouvé l'énigme, mais mon cerveau de primate sous-évolué m'a envoyé vers la mission principale. C'est une réflexion fort intéressante. Oui, nous sommes en sécurité absolument nulle part. Je peux te faire tuer littéralement chez toi par une météorite. Ah oui, oui, oui. La foudre peut s'abattre sur toi à n'importe quel moment. Tu peux aussi mourir d'un simple fou rire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce symbole encore? Qu'est-ce que c'est encore que ce symbole, Starbé? Oui, oui, oui. Alors. Un palais autrefois auguste abrite aujourd'hui la beauté. Les jours des souverains passent, mais s'arrêteront à Louis. Ça, c'est les palais du Luxembourg. Non, le palais des Tuileries. Oui. Si, c'est le palais des Tuileries, ça. Normalement. Ils s'arrêteront à Louis. Louis, il a été le dernier lieu où il s'est réfugié, c'était le palais des Tuileries. Avant son exécution, je crois. Ou alors, c'est le palais du Louvre. Mais je doute parce que c'était à Versailles. Enfin, c'était à Versailles, la demeure de Louis XVI. Ah, attendez, où est-ce que je suis? Où est-ce qu'il est, le palais des Tuileries? Ah, c'est le Louvre. Non, non. Le palais des Tuileries, c'est celui-ci. Oh. Est-ce que c'était le fameux symbole que j'avais repéré tout à l'heure? Est-ce que j'avais trouvé en prévision un symbole que je connaissais déjà? Ouais. Ah. Je pense que pour ce jeu, en fait, on est arrivé à un nouveau stade. Une évolution de l'altaïrisation. Vous savez, Altaïr avait tendance à sauter un peu n'importe où, n'importe comment. Là, on a atteint un stade aigu ou un stade grave, je dirais, pour l'instant grave. On verra bien pour les prédécesseurs, pour les suivants, comment ils s'y seront. Mais actuellement, on a un stade grave de l'altaïrisation. La arnotisation. Ouais. Encore une fois, je détaillerai les problèmes de ce gameplay, de ce jeu, une fois que j'aurai terminé ce jeu. Alors, où est-ce que c'était? Là, voilà. Ça doit être ça. Pas du tout. Nom de sainte jésuite. Est-ce que c'était dans le palais du Louvre? Il s'arrêtera à Louis. Oh my god. Oh là. Alors ce soir, on va passer une bonne soirée. Alors. Attendez. Revoyons tout ça. Revoyons l'arme du crime. Ah yes. Un palais autrefois auguste. Alors, quel palais auguste on parle? Abrite aujourd'hui la beauté. Ça pourrait être le palais du Luxembourg. Les jours des souverains passent et s'arrêteront à Louis. La dernière demeure de Louis, c'est quoi? Est-ce que c'est le Louvre? Parce que si c'est le Louvre... Si c'est réellement le Louvre, alors ça doit être dans les environs. Je vais faire demi-tour. J'ai cru que j'allais encore mourir là-dessus. Si, je crois. Au palais où tu étais, il y avait le signe. Non, non, justement. Parce que, le signe, il y apparaissait. Le problème, c'était que le signe, quand tu te rapproches d'un signe sur lequel tu dois te rediriger, tu entends l'espèce de « oui, 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 oui » qui te dit « vous êtes proche du symbole ». Sauf que là, lui, c'était pas du tout ni la forme, ni le son. Ah. Kiki. Un point nomade? Ah non, non, non!
te plaît. Arnaud. Ah, 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 ah. Là, voilà, j'avais raison. Là, tu l'entends, là, le... Voilà, voilà. Et ça, ça ressemble au symbole premier. Parce qu'en fait, il faut trouver toujours les mêmes symboles. Et en fait, dès que t'as trouvé tous les mêmes symboles, ben, en fait, tu trouves, voilà, c'est, t'as compris. Tu as compris l'idée. Deuxième énigme. Par esprit d'égalité, le commun profite du Royal Jardin, Palais du Luxembourg, où le divin Hélios allume chaque jour, où allume chaque jour la puissance destructrice de... Quoi ? Le commun profite du Royal Jardin. Ça peut être que le Palais du Luxembourg. Mais le Palais du Luxembourg... Le Palais du Luxembourg... C'est pas un peu trop loin? Regardez le palais du Luxembourg. C'est pas au sud? Ils envoient dans un autre quartier? Alors ce serait au palais royal? Non, parce que le palais du Luxembourg, c'est ici. Hein. Rappel, hein? Palais et jardin du Luxembourg. Mais le problème, c'est que c'est rare qu'ils nous envoient dans d'autres régions. Parce que la plupart des choses qu'ils nous envoyaient dans les énigmes, c'était toujours dans la même, c'était dans, toujours dans les mêmes secteurs. Donc je pencherais peut-être plus pour le palais royal? Potentiellement. On va voir ça. Palais Royal fut l'un des lieux très animés de la Révolution sous les auspices de son propriétaire, Philippe, duc d'Orléans, cousin de Louis XVI. Endetté, Philippe d'Orléans fit garnir les trois quarts cas de 60 d'une boutique qui lui loua aux rétablir les finances, les galeries bouillant dans l'animation jusqu'à 2h du matin. Escroc fit l'ouverture. Une horloge insolite y fut installée. Un petit canon qui tenait. Un petit canon qui tenait à midi, déclenché par le soleil. Et voilà. C'était ça. Oui, oui. Oh, mon cerveau. Voilà. Voilà à quoi ça sert aussi de lire ces... De lire ces trucs. Voilà. Par esprit d'égalité, le commerce équitable, le commerce, enfin, le commerce en général, le commun profite du royal jardin, donc le palais royal, où le divin Hélios s'allume chaque jour la puissance destructrice de l'homme, le canon, enfin, l'horloge qui était allumée par le soleil, et dont le symbole, enfin, la représentation était celle d'un canon, la puissance destructrice de l'homme. Je suis un génie, incompris. Je suis une pâquerette, mon sang. Une foutue pâquerette. Ah, mon cerveau. Ah là là. Faut lire 36 000 trucs pour comprendre. Et vous allez voir que le dernier, ça va être juste impossible. Je vais encore hurler à l'incompréhension. Allez, dégagez, dégagez, dégagez. Je suis en train de jouer à un jeu de piste phénoménal dont la clé est une armure trop classe. Attendez, poussez-vous, bande de chiens galeux. Alors où est-ce que t'es toi par contre? Maintenant ça va être la question. Trouver où est-ce qu'ils ont planqué ce symbole. Peut-être dans le jardin. Ah, ding ding, ding ding. Ah, bah, il était pas très loin. À la fin du live, ton cerveau va disparaître. Non, il va fondre, je te dis. Dernière énigme. Des pierres d'une prison déchue, une concorde bâtie pour relier le lieu où les esprits débattent à celui où ils quittent les corps. Pardon ! Pardon ! Pardon ! Quoi ? Quoi ? Nani ! Nani ! Nani Doko ! Nani Doko ! Nani Deska ! Nani Deska ! Nani Deska ! Des pierres d'une prison déchue. La Bastille. Une concorde bâtie pour relier. Nani ? Le lieu où les esprits débattent à celui où ils quittent les corps. La guillotine ! La Bastille, oui, non, mais là, le problème, encore une fois, c'est que la Bastille, elle est là. On est un peu loin, là, encore une fois. C'est toujours pas le bon secteur. Au secours. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, encore une fois, la possibilité, ce serait la place de la Concorde, puisqu'il y a Concorde dedans. Donc, ça aurait peut-être un sens. Mais je suis passé. Ou alors, c'est peut-être la Madeleine. Est-ce que c'est la Madeleine? J'en sais rien. Je sais plus. Ou la place de la Concorde. Mais j'en viens déjà de la place de la Concorde. Il y avait déjà un symbole. Il peut pas y avoir un symbole deux fois au même endroit. Si, non, peut-être. Je sais plus. L'esprit, où il quitte les corps, mais les corps, ils quittent où, les esprits? C'est à quel endroit que tu quittes ton esprit? Au moment où tu meurs, donc ça peut être la Bastille, peut-être. Enfin, ça peut être la place de la Révolution. Attendez, on va se téléporter ici. On nous fera gagner du temps. Oh, c'est affreux. Je sais pas. Je te remercie, Crémecraft, de m'aider. Mais comment ils sont... Pourquoi ils sont allés percher des histoires pareilles pour ça? Ah, je te jure. Mais Buggysoft, pour l'amour des dieux auditorés, comment vous avez chié votre jeu, quoi? Pourquoi vous avez chié votre jeu comme ça? C'est pas possible. Je veux dire, quand tu faisais les quêtes pour obtenir les armures trop classe de Assassin's Creed 2, et de ses extensions, c'était des missions du genre... C'était un jeu de puzzle, un puzzle game de d'épreuves où tu devais passer des épreuves sur le temps et que t'avais, voilà, c'était une course d'obstacles. Mais là, mais excusez-moi, je suis en train de regarder le sol. Je regarde le sol. Ce n'est pas le bon symbole. Malheureusement. À mon grand désarroi, ce n'est pas le bon symbole. J'ai cru. J'ai espéré tellement fort. Mais il n'y a pas eu. Ah, le désarroi. Ah, le désespoir. Alors, on va tenter, encore une fois, d'aller réexplorer les lieux de notre passé. Les lieux de notre lointaine enfance. Il y a peut-être une chance. C'était la dernière chance. C'était la dernière espérance. Et c'était comme ça que j'ai cru. Que j'ai eu bonne envie de tomber. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vous dérange. J'aimerais vous poser une question. Non? Le niveau moyen de cette assemblée dépasse le QI moyen d'une moutre? C'est une mouche et une outre. Ouais, je suis sûr que on doit pas être loin. On doit être pas loin de ça. Hein. Une moutre. On va à la Concorde. Hein. Est-ce que la place de la Concorde aurait une autre marque? Est-ce que j'entendrais pas un bling bling? Objet de Mishiwaki, ouais. Non. Oh, un palanquin. Eh ben non. Ah non, mais... Il y a de fortes chances que je le trouve pas. Hein. Parce que je... Pourtant, ça doit avoir un sens. Ça doit avoir un sens simple. Le Louvre, c'est là où on a trouvé la première. La deuxième... Elle était où? Je sais même plus où est-ce qu'elle était, la deuxième. Ce serait quand même pas ici. Ils auraient quand même pas mis deux fois la même. Non, quand même pas. Non. Je pense pas. Ils sont quand même pas si stupides à ce point-là. Quand même. Mais non, voilà. La deuxième, c'était ça. On avait la première qui était ici. La deuxième qui était donc au Palais du Louvre. La deuxième qui était donc ici. Et ça, ça c'était l'énigme ici. À tout.
tout hasard, on sait jamais, hein, la Madeleine. Est-ce que la Madeleine aurait... Quel heureux. J'ai des nouvelles. Tu es m'aide à réfléchir, ouais. Pourquoi je suis coincé? Non. Je ne veux pas, je ne veux pas être coincé dans une maison, s'il vous plaît. Je veux pas passer la maison. Alors, la Madeleine. Bien, première vue. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de visible. M'a l'air d'être malheureusement pas la bonne. Le questionnement est complet. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Quel est le charabia buggy softien qui nous ont encore perché? Alors, une dernière fois pour essayer de percer à jour la chose. Des pierres d'une prison déchue. Une concorde bâtie pour relier. Le lieu où les esprits débattent à celui où ils quittent les corps. Si t'avais raison et que c'était la Bastille, je me sentirais con. On va voir, hein. Mais au point où on en est, la dernière solution que j'aurais, ce serait ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais après, encore une fois, hein, comme je n'ai jamais fait ce jeu, Cramercraft, t'avais peut-être raison dès le début, hein. Après, c'est vrai que la première chose que j'ai dite, c'était aussi la Bastille. J'ai pensé à la même chose que toi, donc en soi, peut-être raison. Mais le truc, c'est bon sang. Alors, maintenant la question, c'est où est-ce que dans la foutue Bastille, ils l'ont planqué? Parce que là, il va falloir maintenant chercher la Bastille. Non, il y a... Il n'y a actuellement aucun signe. Aucun signe marquant. Aucun petit tintement, rien du tout. Et là, allez savoir, allez réfléchir, allez trouver. Tout ça est d'une bien triste époque. Ah là là, ça fait déjà 1h06 que nous sommes dessus, ça fait donc déjà bien 20 minutes que nous sommes sur cette énigme, et 20 minutes encore une fois. Attendez. J'entends. Le tintement. Le tintinabulé.
le tintinabulé. Il est où? Où est-il? Où est-il? Le tintinabulé. Le tintinabulé. Je suis pas fou, je l'entends pourtant. Attendez. Le pont près du palais des Tuileries. Mais alors d'où vient ce tintement que j'entends alors? Parce que là, je l'entends, hein. Clairement. Ah. Mais c'est pas vrai! À chaque fois, j'ai l'impression de m'en éloigner et d'être si proche. Il doit être quelque part en dessous. Mais bon, on va voir si tu avais raison pour le coup déjà. Donc le pont près du palais des Tuileries. Le pont royal. Hop. Le pont royal. Ce qui, encore une fois, ne ferait aucun sens. Je me souviens, c'est au pont le plus au nord-ouest du sous-quartier des Tuileries. On va voir ça. On avance. On marche sur le drapeau parisien. Et le drapeau français. Voilà. Ah, y en a pas, hein. Quartier Saint-Thomas d'Aquin. Le quartier des Tuileries. Ah, attendez. Le plus au nord-ouest, t'avais dit.
Il y a encore un dernier pont là-bas. Peut-être celui-ci, le palais, le pont de la Concorde Révolution. Hop. Pardonnez-moi, messieurs. Oui, lui. Eh bien, on va voir ça. Alors. Eh bien, si tu le dis... Voyons voir. Ah. 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 Et voilà. Eh ben, t'avais raison. Bravo à toi. Bravo à toi, Crémecraft. Merci pour ton aide, pour le coup. Mais alors, qu'est-ce que j'ai entendu dans la Bastille? C'était peut-être un trésor. Pourtant, j'avais récupéré l'intégralité de tout ce qu'il y avait là-bas, non? Ah, il y a des coffres encore. Oh, c'est peut-être des coffres cachés. Comment ça, il y a des coffres cachés maintenant? The fuck? Il y a trois coffres que j'ai pas encore récupérés ici. Trois coffres que je n'ai pas encore récupérés ici. Quatre coffres que je n'ai pas encore récupérés ici. Bah, punaise. Un coffre que je n'ai pas récupéré ici. Bah, dis donc. Là, c'est bon, j'ai récupéré tous les coffres ici. J'ai récupéré toutes les missions. Il me reste encore deux meurtres à faire. Donc, celui-ci, je suppose, et celui-ci. Et j'ai tout le reste, sinon. Il me reste une énigme d'ailleurs ici de Nostradamus et un coffre ici avec une cocarde qu'on a trouvé là. Là, il me reste encore des coffres, 13 coffres, ah bah punaise. Il me reste littéralement tous les coffres ici, punaise. 12 coffres à choper, comment je vais faire? 12 coffres à choper. Et là, il m'en manque plein, mais il m'en manque beaucoup trop. Comment ça se fait que je vois pas tous les coffres? Eh ben... Beaucoup de choses à découvrir, hein, pour le coup, pour cette histoire. Bon, mais on a réussi enfin à terminer une nouvelle énigme. Alors, on va éviter encore les énigmes de niveau 4. Hein. Pour ma santé mentale, on va les oublier pour ce soir. Hein, voilà, donc Libra, on l'oublie. Léo, on l'oublie. Hein, voilà, pareil. Virgo, on l'oublie. Hein, voilà, elle est un peu trop dure pour moi. Scorpio, c'est pareil. Niveau 4. Que des niveaux 4. Il me reste que des niveaux 4. Au secours. Oh putain. Pisquesse level 5. Oh, on m'oublie complètement sur celle-là. Mon dieu. Oh mon dieu, on m'oublie complètement. Il n'y en a pas d'autres, je suppose. Bon. Très bien. Bah, si on est bloqué, vous en faites pas. Il nous reste encore des choses à faire. Notamment des petits meurtres. Parce que, pour le coup... ça m'intéresse. Si STP, je suis fort. Alors, j'avais dit que je voulais les faire en priorité, les level 4. Allez, si tu te sens. Hein. Mais attention, hein, faut réfléchir. Hein. Faut pas tricher. On va essayer de faire Libra et on va voir combien de temps ça nous prend celle-là. Allez. 231 mètres, c'est parti. Non, vous m'oubliez, je suis pas là. Libra. Libra qui est la balance. Le symbole de la balance. De toute façon, toutes les énigmes de Nostradamus sont basées sur des symboles astronomiques. Nous avions Aries qui était certainement le Capricorne. Là, nous avons Libra, la balance. On n'a pas encore fait le Cancer. Ou on l'a fait, Cancer? Je ne saurais dire.
On va tenter donc essayer de faire Libra. La balance, symbole de la justice, de l'équité, du commerce aussi. Allez, c'est parti. Alors, première énigme. Par trois fois le ciel, tu périras et au-delà de la montagne. Oh bon sang. Alors, ressemble bizarrement à ce qu'il y avait sur ce palais, sur le palais. On va voir. Palais jadis divisé par le quatrième Henri. Des couples de pierres saluent le roi déchu pour sa dernière marche parmi les arbres. Roi avait uni, peuple à désuni. C'est le palais des Tuileries, là, pour le coup. Là, ça doit être le symbole que j'avais vu dans le palais des Tuileries. Je crois. Je subodore. Je suspecte. I have my doubt. Je fais que passer, messieurs. Ne faites pas attention à moi. Ouais, ça sonne. Ça sonne. On l'entend. On entend le ding-ding. Voilà. Voilà, il est là. J'avais raison. C'est bon. Alors, dernier rayon du soleil, séparé par ses fils, par la mort et les hommes. Dernier rayon du soleil, séparé par ses fils. Séparé de ses fils. Enfin, faut que j'arrive à lire, moi. Sur la place des Tuileries. Séparé de ses fils par la mort et les hommes, cordonniers, soldats, hommes d'État et catins saluent la veuve qui éclipse le soleil. Cordonnier. Attends. Dernier rayon du soleil, séparé de ses fils par la mort et les hommes. Cordonnier, soldat, homme d'État et catin saluent la veuve, la veuvée qui éclipse le soleil. La veuvée. Qu'est-ce que c'est? La veuvée. Toi, tu dis c'est la place Concorde, la guillotine? Tu dis ça, toi? On fait voir. Place à la révolution, Concorde. C'est vrai que j'ai pas lu depuis longtemps. Située au cœur de Paris, entre les Champs-Élysées à l'ouest et le Jardin des Tuileries à l'est, la place Louis XV fut construite en l'honneur du roi en 1772. Son objectif était d'évoquer l'omnipotence royale. Tu parles d'un cahier des charges. Nous aimerions que ce lieu évoque l'omnipotence royale. Ah oui, l'omnipotence royale, c'est un peu comme l'incontinence royale. Non, c'était pas ça du tout. Non, en effet. Alors, faut-il un gibet de la honte, une sorte de omnipotence? Non, pas de gibet non plus. Écoutez, laissez votre adresse et on vous écrira. Suivant! C'est là qu'eurent lieu les festivités tragiques au soir du mariage entre le dauphin, futur Louis VII, oui, et Marie-Antoinette, au cours desquelles, selon les chiffres officiels, 132 personnes moururent piétinées lors du feu d'artifice. Ah! 23 ans plus tard, Louis XVI fut exécuté sur la même place, rebaptisée Place de la Révolution. Marie-Antoinette y subit le même sort quelques mois plus tard. La guillotine y resta en place sans interruption du 19 mai 1793 au 13 juin 1794. Au cours de ces 13 mois, quelques 1500 hommes et femmes y eurent la tête tranchée. Ah oui, là où je me suis fait agresser, c'est vrai! Je l'avais trouvé en plus! Putain, je l'avais complètement oublié. Ah, attendez. Je me suis fait agresser comme un chien par ces malotrus, ces patagons, et les chauffards, ces ophicléides! Projectiles guidés! Olibrius, devrais-je dire même. Analphabète diplômé. En plus, c'est vrai. Sont tous diplômés dans une carrière militaire, mais la plupart d'entre eux ne savent même pas lire. Ha! Alors, ils ont un niveau de lecture aussi proche du scolaire. Vous avez entendu une voix? Non, moi j'ai entendu personne. Personne n'est en train de se faire voler. Ouais, je me suis fait agresser de manière honteuse et éhontée. Alors que j'étais en train de regarder le sol, je ne leur voulais rien, je ne faisais rien, j'étais en train de regarder le sol. Ou alors, c'est peut-être ça, c'est parce qu'ils voulaient que je regarde l'exécution. Voilà, elle est là. La Magdalène fait face à la mort. Regarde la procession sans scier.
Peu émue, elle garde les dos tournés et à l'enterrement du roi. Bon, la Magdalene, ça doit être la... Ça doit être Madeleine. Ça, je pense que ça doit être Madeleine. Mais t'as vu que ça doit être ça. Je pense. La Magdalene fait face à la mort, regarde la procession sans cilier, peu émue, elle garde le dos tourné à l'enterrement du roi. Potentiellement, il y a de fortes chances que, dans l'optique, dans le doute, je pense, j'hypothétise, je conjecture la possibilité que... Voilà. Parce que s'il y a une autre Magdalene dans Paris... Eh ben alors celle-là, eh ben, elle va me faire pleurer. Un petit peu d'effets spéciaux et d'action, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Voilà. Bonk. Voilà. Oh là 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 là, monsieur Arnaud fait dans le sale. Voilà. Hop, 32 sur 35 bientôt. Vu la mort. Oui, au cimetière derrière la Madeleine. Bah oui, ça doit être ça. J'ai entendu, j'ai cru entendre pendant un instant... Un petit rrrr, je fais oula oula, 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 oula. Encore une mission. Voilà, la conversation vient de s'interrompre avant même qu'elle ait eu le temps de commencer. C'était quoi ce cri de fillette? Ce A était peut-être un peu trop forcé là. Il faut prendre des pastilles pour la gorge, monsieur. Alors, attendez, je crois que je suis allé un peu trop loin. Ah, voilà, ça doit être là. On va aller récupérer ce coffre et je pense qu'on va trouver notre objectif ici. Alors, en fait, si, j'ai bien entendu le truc, je suis passé à côté. Mais quel gland. Mais quel crétin des Alpes. Quel crétin des Alpes je suis. Quel bougre de faucheton de la sauce tartare que je suis. En plus, je l'ai bien entendu, punaise. Non, je m'en fous de ta mission. Moi, ce que je veux là actuellement, c'est ton argent. Par contre, attendez, j'ai pas rêvé. Combien tu proposes? 12 500 francs? Pardon, mauvaise expression. 12 500 francs? J'y arrive pas. Je vais y arriver. 12 500 francs! Ah, j'y arrive plus, hein. Ah, je suis bloqué. Ah, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Ah! C'est là. 12 500 francs! Moyen. Non. J'essaie de faire mon Denis Brognard. Et voilà! Encore une résolue. Bon, celle-là. Putain, c'est niveau 4 et elle est beaucoup plus facile que le niveau 2 et non! Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mon sang. T'as la vache, quoi. C'est incroyable. Elle est beaucoup plus facile que les niveaux 2 et 3. Bah, à ce niveau-là, je vais essayer de tenter la Virgo. Et là, vous allez voir, je vais échouer tellement fort. Mais par contre, là, je vais garder en tête ces 12 500 francs parce que n'oublions pas notre objectif, hein. N'oublions pas que nous essayons d'atteindre le summum du pimp en obtenant cette merveilleuse armure à 160 000 francs. Ses avant-bras à 140 000 francs. Ce qui nous fait un total de 300 000 francs. Et cette taille, bien évidemment, à 140 000 francs. Pour un total donc de 440 000 francs. Parce que vous le savez aussi, les jambes s'obtiennent au but d'une mission qui s'appelle Dîner en ville. Voilà.
mission d'histoire. Donc, voilà. Il me faut 440 000 francs. Et avec tous les coffres du nord de Paris, enfin presque tous, puisque je me suis rendu compte qu'il y en avait encore d'autres qui étaient planqués, eh bien nous avons atteint la somme de 80 603 francs. Ce qui est en soi pas très mal du tout. Avouons-le, nous, c'est quand même pas mal. Donc, si j'arrive à vider les coffres du sud et à faire quelques missions à 12 000 francs comme celle-ci, m'est avis qu'on arrivera peut-être à avoir le set complet légendaire. Légendaire! Allez, dernière énigme pour ce soir. On va tenter Virgo. On va tenter la Vierge. Bien évidemment, il fallait qu'on termine sur une Vierge. Alors, 613 mètres. Il y a moyen que je me déplace plus rapidement. Il y a moyen que je me déplace plus rapidement. Allez. Après, on en fait encore une. Bien sûr, bah, on va faire juste la Virgo. On va faire la Virgo, Crémecraft. Au moins celle-là. Et on terminera sur Virgo. Ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Et ce sera un bon petit live de 2 heures que j'aurais pu accomplir. Merci encore à toi, mon cher Crémecraft. Ça aura été une très bonne expérience de jeu pour le coup. Alors, où est-ce que t'es? De ce côté, bien évidemment, il va falloir que je jump dans cette veuille de pain. Oh mon dieu. Ne regardez pas les graphismes. Regardez la chute. Bon sang. J'entends des voix en ce moment, c'est incroyable. Je la connais par cœur, je l'ai fait il y a pas longtemps. Alors attention, laisse-moi déjà avant de me balancer toutes les solutions, je vais regarder déjà si j'arrive à trouver des solutions. Si j'arrive à trouver des solutions moi-même, ça veut dire que sincèrement, ils devraient revoir leur système de notation Buggysoft, parce que des niveaux 2 qui m'ont fait littéralement 3 lives pour réussir, alors que des niveaux 4, ça m'aura pris 20 minutes. Il va falloir qu'ils commencent à se poser des questions sur leur système de notation. Alors, où est-ce qu'elle est la mission? Elle est là. Ok. Alors, j'ai déjà vu ce symbole. Ah, d'accord. Je me disais pourquoi est-ce que j'arrivais pas à la lancer, mais c'est parce que j'étais pas littéralement le nez collé contre le mur. Elle a accepté et suivre. Alors. Dans le sanctuaire des péchés, danse ombre et lumière, et le divin marquis laisse son nom à ses actes. Le marquis de Sade, le sadisme. Sanctuaire des péchés, danse ombre et lumière, celui qui vit dans les ténèbres et la lumière. C'est l'endroit où se trouve le marquis de Sade. On est dans son secteur, on n'est pas très loin. Mais il est où déjà? La cour des miracles? Ce serait ça? On va tenter, hein, parce que moi je vois que ça. Hein. Allez, attendez. Je vois que ça. Cour des miracles. Finalement, c'est lui qui dirige l'endroit. Donc techniquement, il y a de fortes chances que ce soit ça. Écoutez chaque son, chaque parcelle de son. Attends. Le marquis de Sade, il est pas là, plutôt? Ah, si, il est peut-être là. Ok, il est là-bas, le marquis de Sade. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est bien ce que j'avais trouvé, donc c'est le marquis de Sade. Mais j'étais pas allé dans la bonne direction, parce que la cour des miracles, c'est pas le bon endroit. Cour des miracles, c'est son terrain de jeu, mais c'est... Ouais, non, mais de toute façon, là, le sanctuaire des péchés, déjà rien que comme ça, tu m'avais déjà mis sur la piste. Ensuite, tu rajoutes Marquis, cet homme pour moi qui est l'incarnation de la renaissance, de la luxure et du péché. Oh là là, cet homme. Il nous regarde avec tellement de bagou.
Si nous n'avions pas les vêtements, nous serions déjà à terre dans son canapé avec 2-3 doses de verre de rouge. On n'aurait jamais sauvé la révolution. Ah, attendez, je suis allé trop loin là. Ah, pourtant. C'est pas ici le marquis de Sade ? Où est-ce qu'il est planqué déjà, ce corneau ? Il est pas là quand même, si ? Non. Alors je sais qu'il était au nord. Mais où au nord ? Couvent des filles du calvaire, non, je doute que ce soit là. Je doute qu'il soit dans un couvent. Quoique ça correspondrait bien à sa mentalité, mais. Non, c'est la cour des miracles. C'est à la cour des miracles ! Ça, pourquoi je l'ai pas entendu alors? Il faut que je fasse le tour de la cour alors. Allez, ding ding, sonne. Cloche, sonne les cloches, cloche, sonne les cloches. Oh, bien étrange. J'ai fait le tour quasiment, hein. Gizgizik, ce bordel. Attendez, là je viens de faire le 360, hein. Qu'est-ce qui c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que cette allégorie? Une maison. Ouais, mais ça aurait dû sonner depuis très longtemps là, non? Bon, alors faudrait que je sois vraiment au sol, un ras du sol. Un coffre est plein, oui, je sais. Je sais que je suis riche. Pas encore célèbre, mais riche déjà. Dans le palais. Moi, la seule chose que je vois, c'est que c'est dans le palais de. Parce que là, j'entends rien. Hein. Pas de présence de symbole. Hein. Je suis quelque peu désappointé. L'église Saint-Eustache, non? Important.
La cour des miracles me paraissait pourtant être le lieu le plus logique. Attendez, je vais faire demi-tour quelques instants. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Ouais, ouais. Je suis juste à côté, c'est un lieu de repère. J'avais raison, c'est le repère. C'est la maison. Mais c'est... Oui, mais c'est pas la cour des miracles, c'était dans la maison du marquis. C'était pas la maison de... Voilà, j'avais raison. Non, là, c'était pas la cour des miracles, c'était la maison du marquis. C'était ça que je cherchais. Mais oui. Voilà, moi je cherchais pas la cour des miracles, je cherchais la maison du marquis, le marquis de Sade. Bah oui. Bon, c'est bon. Tu m'as fait dériver. C'est pour ça. Je pensais que c'était encore dans la cour, mais non, c'était bien la maison du marquis. Ah. On s'est pas. C'est pas grave. Deuxième énigme alors. Gisant dans la fange, symbole divin tombé, illumine les hérésies de la cour du faux roi. Gisant dans la fange, le symbole divin tombé illumine les hérésies de la cour du faux roi. Gisant dans la fange, quel symbole divin on parle? Symbole divin tombé. Refais voir ça. Gisant dans la fange, le symbole divin tombé illumine les hérésies de la cour du faubourg. Qu'est-ce qui illumine ici? Il n'y aurait pas un truc, quelque chose qui se serait écroulé dans cet endroit? En ce taudi. Ah bah si, c'est bien ça. je l'avais vu la croix avant, je me suis dit ce serait quand même pas... Gisant dans la fange, ouais. Le symbole divin tombé, j'avais vu cette croix là, donc je me suis dit c'était ça. Illumine les hérésies de la cour du faux roi, la cour des miracles. Ouais, non bah si, ça va. Bon bah voilà. Alors c'est quoi la dernière? Le carrefour familier où se vend le péché charnel, la tristesse de sa vendeuse se cache sous les phares. Alors, c'est un bordel. Mais où est-ce que j'avais vu un bordel ici? Carrefour familier. Alors, ça doit être certainement le dernier repère que j'ai vu là. Parce que je vois pas d'autre endroit. On va voir ça, hein. Mais, attendez. Hop là. On va voir ça, hein. Mais... Parce que ça doit être un lieu de luxure. Où l'on pratique le sucre et la luxure. Mais je ne me rappelle point d'un tel lieu. Oula. Votre téléportation instantanée m'a pris de court. Je ne me rappelle point d'un tel lieu. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? C'est quoi donc? 40 mètres, oui, non, je... Je voudrais passer... Voilà.
Alors. Que quoi? Qui c'est que cet endroit? Je suis déjà passé par ici? Pardon, je suis pas. Base de données. Encyclopédie. Lieu. Généralité. Champs-Élysées, mur des fermiers, palais des Vosges, place Vendôme, Bastille, boulevard des théâtres, café théâtre, catacombes, cimetière Saint-Innocent, club des Jacobins, conciergerie, grand chalet à l'Aublé, hospice enfant trouvé, hôtel de ville, hôtel des menus plaisirs, bâti sur ordre de Louis XV afin d'abriter les services responsables de l'organisation des cérémonies. Non. Hôtel Dieu, journaux et imprimerie, les Halles, Panthéon, la place Dauphine, la place de la Révolution, Concorde Louis XV, la Sorbonne, la statue d'Henri IV, le Temple, Tour Médicis à la Lanterne, les quartiers, Cour des Miracles, Marais, Saint-Marcel, village de Versailles. Pourquoi il parle de lieux de luxure? Bon, certes, on voit de beaucoup de demoiselles en tenue affriolante, mais... Mais en quoi est-ce le cas? Qu'est-ce qu'il y a ce lieu qui lui est rattaché? Le Faber. Barbecue. Tétro. Gloire. Rue du Jura, Paris. La Barbotte. La Barbotte. Oh, des siamoises. Non, des jumelles. La Barbotte, mais à l'Arche de Marion, à l'Arche Marion, Barbotte, rue Plâtrerie. Je suis actuellement un peu perdu, paumé et confus. En quoi est-ce que ce lieu est un lieu de sucre et de luxure absolue? En quoi? Maison des plantes, herboriste, ferronnerie, café. Je suis paumé. Cela me rend perplexe, mais bon. Nous avons réussi, malgré tout, encore une fois, à trouver une mission de niveau 4 assez facilement. Et j'en suis assez content. Merci à toi, Cremecraft, de m'avoir donné ce coup de main. Qui aura été des plus utiles, hein. Finalement j'aurais triché qu'une seule fois pour réussir ces missions. Bon, après j'ai eu l'aide de mon chat, c'est vrai, mais en cela vous me pardonnerez parce que ce jeu a maintenant bientôt plus de 7 ans, donc il est vrai que voilà, c'est plus vraiment un jeu d'actualité, voyez-vous, il n'y a plus cette possibilité de l'exclusivité, tout ça. Donc, 4 jours sans live. Je pense que vous allez vous ennuyer sans moi. J'espère que vous allez vous ennuyer sans moi. Enfin, pas trop quand même. L'ennui est mortel à ce qui paraît. Donc, néanmoins, on se reverra donc lundi pour un nouveau live Assassin's Creed. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au dernier jour de l'année, nous ferons que de l'Assassin's Creed. Objectif étant de finir Assassin's Creed Unity avant la fin de l'année. Nous reprendrons donc ce lundi sur le DLC. Peut-être, je dis bien potentiellement, que j'aurai avancé moi-même de mon côté les missions, quêtes secondaires et autres trucs qui ne sont pas nécessairement trop passionnantes. Genre les petites missions de A bleu, ça c'est les missions d'assassinat, c'est pas des trucs très variés, ça se répète un peu, donc je pense que je les ferai moi-même. Mais les missions, genre les meurtres ou les trucs comme ça, je les garderai peut-être pour un autre live, pour la fin, pour un lundi, un mardi, on verra bien. Ceci étant dit, nous allons faire d'abord le DLC avant de finir, définitivement, Assassin's Creed Unity. L'objectif de cette fin d'année est d'arriver à le terminer, soit pour le début d'année, soit avant la fin d'année. Voilà.
Merci à tous d'avoir suivi ce live en ma compagnie. Merci à Cremecraft d'avoir été présent et de m'avoir soutenu dans cette épreuve et dans ces épreuves. Merci à lui ou à elle, en fonction de qui est derrière ce pseudonyme. Fort sympathique à lui. Merci aussi, bien évidemment, aux deux premières personnes qui sont passées rapidement, à Mal1812 et à Danmag1992. Qui sont passés rapidement et j'espère qu'ils reviendront me voir et qu'ils seront peut-être plus intéressés par la suite de ce que j'ai fait. Voilà. Merci à tous et à toutes. C'était Dark Elyrion pour la chaîne Madness Productions et sur ce, les génériques. Allez, passez un joyeux Noël. Hop, hop, hop. Ouais, on va prendre celle-là. Voilà. Générique. Et attention. 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 Et voilà. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée.